Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Je vous parle de Liquide Français aujourd'hui, VAP Institut. Liquide Français. Yannick m'a gracieusement envoyé 4 liquides. Avant, il y en avait 5. Maintenant, il y en a 6. 4 liquides de sa gamme. Il y a l'Evolve aussi et la Chimère, son dernier qui vient de sortir. Moi, j'ai reçu le Brooklyn. J'ai reçu le Venom. Il m'a envoyé ses petites cartes aussi. Très sympa. Joli, comme les liquides. Le Mystique. Et le Pink Side, le Pink Seed, le Pink Side. Voilà, 4 liquides. Donc Pink Side et Mystique pour ma part en 50-50. Et Venom et Brooklyn en 10-90. 10 PG, 90 VG. Donc sa gamme existe en 50-50 et en 10-90. Pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien, ma préférence à moi va quand même sur le 10-90. Mais bon. Les 50-50 sont bien quand même. Le goût, la recette est bien quand même. Yannick, ancien cuistot qui profite de ses connaissances pour nous faire des recettes. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y en a 6. Profite de ses connaissances pour nous faire des liquides avec une approche de cuisinier, si je puis dire. Il m'a dit qu'il avait bossé en magasin avant et il vape et il s'est dit. Pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas tenter? Je pense qu'il a eu raison. Je pense qu'il a eu raison parce que là, ce qu'il a fait pour l'instant. Donc ça, c'est le. Ça, c'est le. Là, par exemple, vous voyez le Mystique. Quand je fais un complan des bouteilles après, hein, le Mystique, c'est le 2.0. Donc c'est le deuxième batch. Moi, j'ai pas eu la chance de goûter le premier. Je pense qu'après, suivant les retours, il fait évoluer les choses, les liquides, pour les améliorer. Il m'a dit que ces liquides, propylène, glycérine, arôme, qu'il n'y avait pas d'exhausteur de goût, qu'il n'y avait pas de colorant, j'ai marqué qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas d'alcool. Gamme en 50-50, en 10,90, en 0, 3, 6, 9 et 12 mg de nicotine. À un tarif de 17,90 € les 30 ml. Ce sont des fioles de 30 ml. 17,90 les 30 ml. C'est très correct. Pour le goût, c'est très correct. Pour le goût, c'est très correct. Pour le travail qui est fait en image, c'est très correct. Les fioles, c'est pareil. C'est très correct. Il fait tout seul chez lui, à la main, avec madame. Madame doit contribuer aux efforts de monsieur. Voilà. Donc on trouve déjà ces liquides dans plusieurs boutiques sur internet. Il faut chercher EcoClub, Vapodiscount, j'ai marqué je crois, Vapostore Bordeaux, J'aime la vape. Il y en a plein, il y en a plein d'autres. Je crois que j'ai. Ah si, j'ai vu récemment qu'il allait en avoir chez Vaposite aussi, je crois. Mais on peut le contacter aussi par sa page Facebook pour commander des jus. Voilà. Donc des talents, un cuisinier, un jeune cuisinier, enfin jeune cuisinier, oui si un jeune cuisinier, il n'a pas 70 ans. Mais qui profite de ses connaissances pour nous faire des bonnes recettes. Je vous montre les bouteilles en gros plan, un petit peu, elles sont belles. Et après, on vape, tout de suite. Un petit tour rapide des fioles, les amis, parce qu'elles sont super belles. Je vais commencer bah, dans l'ordre de dégustation d'après. Le Mystique, étiquette donc française. VAP Institute, we cook for your pleasure. Donc, nous cuisinons pour votre plaisir avec le petit fouet. Donc, le Mystique et le Pink Side pour moi en 50-50 PGVG avec arôme alimentaire. Le petit dessin, Mystique 2.0, 3 mg de nicotine. Peace, love and vape. Voilà, paix, amour et vape. 30 ml. Numéro DLUO 2016. Forcément, toutes les indications de mise en garde, l'adresse de VAP Institut, moins de 18, le tri, etc. Il y a tout. Voilà, il y a tout. Le bouchon sécurité. Et le relief pour les malvoyants. Le Mystique, donc 50-50. J'ai le Pink Side. Belle étiquette aussi, une crème fouettée de la fraise, le Pink Side. Également en 50-50. Belles étiquettes. Le Brooklyn. Le pont de Brooklyn. 3 mg aussi.
qui lui, par contre, étant 10% propylène et 90% glycérine, celui-là. Et le dernier que j'ai, le Venom. Voilà, le Venom. Aussi en 10% propylène et 90% glycérine. On se les teste. À de suite. On se retrouve. Premier qu'on va tester, le Mystique. Le Mystique que moi j'ai reçu, donc, je vous ai dit, en 50-50. PGVG. Donc moi, le 50-50, c'est plus trop mon ma map. J'ai préféré la mettre sur des petits drippers que je connais très bien. Pas des grosses puissances. On sait que la puissance peut forcément dénaturer certains arômes, certains goûts. Sur certains liquides avec une bonne arrivée d'air et avec le pourcentage de glycérine qui va avec, les 10-90, de toute façon les 10-90, c'est pas pour les passer dans des ATO forcément à 8 watts quoi. Donc c'est fait pour. Là c'est le Mystique. Un onctueux et mystérieux mélange de fruits sur un lit de caramel. Donc là j'ai mis sur l'Egoel, j'ai une résistance à 0,7 à 22 watts et demi. Le Mystique. Depuis que je les ai reçus, je commence par celui-là. C'est pas mon préféré. Je les ai pas reçus il y a 2 mois, je les ai reçus il y a 1 semaine. Vraiment, en 1 semaine, ce mystique, pour moi, il a évolué. Il est mieux qu'une semaine. Je vous mens pas, je vous jure. Le mystique, je le redécouvre devant vous, là, tout de suite, là. Mes 4 drippers, là, coton neuf, pas colle neuf sur l'autre, mais sur les gouelles, pas colle neuf, mais coton neuf, fiber fixe, densité de partout, je redécouvre le mystique. Le mélange de fruits est plus présent maintenant qu'il y a 1 semaine. Une semaine et demie. Le mélange de fruits est plus présent, et là, par rapport à là, quand je les ai reçus, j'ai la présence de caramel. C'est très bon. Vous dire quel fruit, je ne sais pas du tout. J'arrive pas à sentir spécialement. Je n'arrive pas à ressentir spécialement de. Un petit peu. De fruits prédominants. C'est un mélange. En 1 semaine, il a pris du goût, je vous jure. Là, je suis bluffé, là. De suite, là. Cash, je suis bluffé. J'ai vraiment prévu de le faire en premier parce que c'était pas mon préféré. Mais là, ça y est. Un ensemble de fruits caramélisés, sucrés. Ça reste, c'est bien. C'est présent. Il y a peut-être de l'orange, je sais pas. Peut-être de l'orange. De la pêche. Peut-être note de pêche, peut-être. La pêche, de l'abricot, peut-être aussi. Je suis bluffé par l'évolution qu'il y a eu en 1 semaine. Je suis bluffé. Le mystique. Le mystique. Un bel ensemble de fruits caramélisés. Très bon. Après du steep pour moi, très bon. Vraiment. On passe au deuxième, au Pink Seed. Au Pink Seed. Une crème à la fraise. Son biscuit et ses véritables framboises. Des ringers. Single call. 22 watts, 0,4 euros. Tranquille. On a une fraise laiteuse crémeuse. On a surtout la framboise après.
Le mystique des fruits caramélisés, comme annoncé. Le pink seed, pour moi là maintenant. On a la fraise, mais au début. On a la fraise crémeuse, on a la fraise laiteuse. Une fraise gourmande. Pas très présente, mais là quand même. Et surtout la framboise après. Toujours en 50-50 celui-là. 3 mg. Le hit est super doux, donc pas de problème. On a la fraise crémeuse, on a la framboise, surtout la framboise derrière. Et bon, celui-là aussi. Je vous ai dit, je ne suis pas forcément accro 50-50, moi je suis plus 80% végé, en gros. Mais de toute façon, mes dés sont 80% végé. En général, ça tourne autour de 80%. Ceux-là, là, je pense que sur le Dripper, 90% végé, ça doit encore plus. L'ensemble doit encore plus être. Onctueux. C'est une super découverte. Ce sont des très bons liquides. Français en plus. Français. On passe sur le Brooklyn. Une pâtisserie new-yorkaise légèrement sablée avec une pointe de caramel. Je ne connais pas les pâtisseries new-yorkaises. Je ne connais pas les pâtisseries new-yorkaises. Lui, par contre, 90%. 90% glycérine. Mon mutation cloche Pyrex pour ça. Il est excellent. En 10,90. Pâtisserie New York. Ah, déjà l'odeur. Moi, je l'adore. Beaucoup l'aiment celui-là. J'ai vu des gens qui n'accrochaient pas spécialement. Chacun ses goûts. Est-ce que ces personnes-là vapent des gourmands habituellement? Je ne sais pas. Moi, celui-là, je. Je m'en remplis. Je m'en remplis. Il n'y a pas de note prédominante sur celui-là, par contre. Ça, c'est un ensemble. Le Brooklyn, c'est un ensemble. C'est de la pâtisserie. On sent de la vanille, quand même. Touche de caramel, oui. De toute façon, vanille, caramel, cracker, etc. On le sent bien. Mais le goût, il est. C'est un ensemble. C'est un rond. C'est rond. C'est onctueux. C'est doux. C'est gourmand. Ça, c'est du jus que je vois le matin. Ça. Celui-là est rempli, c'est excellent. Le Brooklyn pâtisserie new-yorkaise. Je ne sais pas comment était le premier batch. Alors celui-là. ...90% glycérine. On est loin d'être volé sur la glycérine. Le Brooklyn. Excellent. Excellent. Je vous jure. On finit. Sur le Venom. Le Venom que j'ai pas mal avancé aussi. Le Venom que lui j'ai monté. J'ai mis, pardon, sur le Héraclès. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait un montage double coil twisté en 0,40 diamètre 3 mm. Je me suis fait plaisir. C'est un tout petit peu désert au départ, mais ça envoie bien. Le Venom. Cocktail d'agrumes rehaussé d'absinthe avec ses feuilles de menthe poivrée. Cocktail d'agrumes, absinthe, menthe poivrée.
Première puff, on a les agrumes, on a l'absinthe et on a la menthe poivrée. C'est énormissime. Autant le Brooklyn, c'est un ensemble. Le Pink Side, je vous ai dit, je ne vais pas recommencer, mais bon, si quand même. Le Pink Side, fraise, crème, framboise. Le Mystique, un cocktail de fruits avec du caramel sucré. Le Brooklyn, la bonne pâtisserie vanille gourmande caramélisée. Et le Venom. On a ces agrumes, lesquels je sais pas, peut-être y avoir du citron, ouais, de toute façon c'est des agrumes. On a l'absinthe et on a la menthe poivrée après. Pas au début, après. Enfin, moi je l'ai pas au début. Ça pour l'été, c'est une tuerie. Ça en voit pas possible. Le montage et le méca, il fait aussi forcément, mais oh, c'est trop bon. Au vu des noms qui sont donnés pour le, au vu des descriptions données pour l'Evolve et pour la Chimère, je les ai pas goûtés, mais à mon avis, ça doit être monstrueux aussi. C'est super bon. Des quatre, à titre perso, Brooklyn et Venom, c'est mes deux préférés. Chacun a des moments différents de la journée. C'est mes deux préférés. Brooklyn et Venom. Le Mystique et le Pink Seed sont bien faits. Ils sont très bien faits. C'est pas ma préférée, mais ils sont bien faits. Et ils sont bons. Mais le Brooklyn et le Venom, ce sont mes préférés. Yannick, un grand merci à toi. J'espère que ça a bien fonctionné pour toi. Parce que franchement, c'est excellemment bien fait. Excellemment, excellemment bien fait. Ça rend accro, ça. Ça, c'est des jus qui rendent accro. Je vous jure. Si vous avez l'occasion de les tester en boutique, foncez. Si vous voulez en prendre, il n'y a même pas hésité. Celui qui aime les fruits, il sera ravi. Celui qui aime les gourmands, il sera ravi. C'est super bien fait. J'ai discuté avec Yannick au téléphone. Il fait ça chez lui, dans des conditions sanitaires. Comme il faut. Il fait ce qu'il faut. De toute façon, là en France, il fait ce qu'il faut. C'est excellent, c'est excellent. Yannick, encore merci. Continue comme ça. C'est très bien. Je vous souhaite à tous une bonne vape, une bonne continuation et à bientôt.